J'ai plus besoin de me présenter, c'est parfait, merci. Alors, on a à peu près 20 minutes, donc c'est relativement court pour le sujet qui est quand même assez complet. Donc je vais essayer de vous faire en sorte que vous partiez aujourd'hui avec suffisamment d'informations pour que ça ait une vraie valeur sur ce que vous pourrez faire après. Par contre, l'idée après, c'est évidemment, en tout cas de votre côté, d'être un peu plus... de faire des recherches par vous-même, etc. Parce que c'est pas en 20 minutes, malheureusement, qu'on arrivera à un résultat total. Mais vous verrez si déjà vous appliquez ce que je vous propose de faire. Je pense que vous pouvez augmenter l'efficacité de votre CV d'à peu près 80%. Alors la première chose, la première question à se poser, pardon, c'est pourquoi un CV pour la Suisse? Alors pourquoi un CV pour la Suisse? La première des choses, simplement, c'est parce que on est dans un univers extrêmement concurrentiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis que le marché donc, du travail s'est ouvert, il y a beaucoup de candidats. Les entreprises suisses ont le choix. Quel que soit votre métier, hein, d'ailleurs, ils ont le choix entre plusieurs candidats et en général des candidats de très bonne qualité. L'idée, c'est d'avoir un document qui est vraiment le plus proche possible de ce qui se fait en Suisse. Les CV suisses et les CV français sont à bien des égards assez différents. Il y a une grande partie qui est vraiment la même chose, avec les mêmes objectifs, et ça c'est clair. Mais par contre, il y a quand même des vraies spécificités dont il faut tenir compte. Et pourquoi il faut tenir compte de ça? Eh bien simplement parce que, comme on dit en Suisse, on aime bien le dire, en tout cas, le diable se cache dans les détails, et que accéder, en tout cas, à un entretien ou avoir un job, eh bien, c'est une succession de détails. Et au bout d'un moment, c'est cette succession de détails qui fait que vous l'avez ou que vous ne l'avez pas. Donc autant être de ce côté-là très, très, très attentif à ce que vous mettez dans votre CV et faire en sorte qu'il soit vraiment adapté au marché. Et puis dernière chose, on le sait bien, alors là j'ai pris le drapeau français, mais j'aurais pu prendre le drapeau pas mal de pays de l'Union Européenne. Le marché est ouvert aux Suisses, normal, ils sont chez eux, et aux Français, et puis à toutes les autres nationalités. Et il ne faut pas le cacher, depuis quelques années, c'est très très compliqué, parce qu'on est français, d'avoir un job. Pour plein de raisons. Alors, c'est pas dans tous les jobs, c'est pas dans tous les secteurs, mais c'est la réalité. Alors, j'ai un peu plombé l'ambiance, mais vous allez voir, il y a quand même des moyens de récupérer, de faire en sorte que ce soit plus vraiment un problème.